projet Ikisby swap d'un moteur 4 temps en moteur électrique 220 volts, chapitre 3. Troisième vidéo de notre projet Ikisby, changer un moteur 4 temps en moteur électrique. Et pas n'importe lequel, un moteur électrique 220 volts. Il nous attend sur l'établi d'ailleurs, puisqu'on l'a posé sur le carter moteur dans le chapitre 2, et on a présenté dans le chapitre 1 la batterie qu'on allait utiliser. Maintenant dans le chapitre 3, le dénouement de cette trilogie, on va monter ce moteur sur ce scooter. Tout un programme. Ah là là, ça me rappelle de beaux souvenirs. Vous vous rappelez la vidéo où on a monté le pot de moto sur le Ikisby? C'était cool. Donc si on veut remplacer ce bloc moteur par celui sur l'établi, la première chose à faire, c'est de décortiquer tout l'arrière du scooter pour ne garder seulement ce qui est nécessaire. Un peu comme on l'a fait lorsqu'on a démonté le moteur pour adapter le moteur électrique 220 volts sur le bloc. On va faire exactement la même chose, mais avec le scoot. Donc phase de démontage complet. Ça nous rappellera des petits souvenirs. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait fait un filtre air grandeur nature dans le coffre. Ça sent l'essence. Essence. C'est démodé, passons à l'électrique. Ouais, il fallait tirer comme une brute. J'avais oublié. La dernière config qu'on avait testée, c'était un kit 80 avec une pipe d'admission Naraku, avec un carburateur 24 mm Sunworld, et j'avais mis le filtre à air Schtroumpf Polini Evo 2. Ça marchait bien. Surtout avec le pot de compète là. C'est un moteur à refroidissement à air, donc la désolidarisation du bloc moteur en lui-même avec le châssis, ça va être assez simple. Il y a très peu de circuits, ça juste on a refroidissement à air. On a juste le câble de frein, le câble de gaz d'ailleurs qui va plus nous servir. Puis on a quoi d'autre? Bah les durites, d'essence, etc. De toute façon le réservoir aussi, on va le faire tomber. Qu'on bouche. Hop, dépression, le câble de gaz. Je déconnecte quand même l'allumage. Hop, on suit le câble qui sort du stator. Tac. Alors il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient dans la transmission du carter moteur adapté avec le moteur électrique 220 volts. Donc tout à l'heure, lorsqu'on aura monté l'ensemble, on va reprendre quelques éléments, notamment la roue arrière, l'amortisseur, l'embrayage, la courroie, le variateur. Enfin vous voyez, il manquait beaucoup de choses pour équiper la transmission du Ikisby 220 volts. Le meilleur investissement que j'ai pu faire pour être à l'aise en mécanique. Avec ma table élévatrice quand même. Les deux meilleurs. Va falloir adapter. C'est du 10 ça. Ouais. Adapter
D'accord, mais il est hors de question de modifier le cadre. Hors de question, surtout pour une modif à la bidouille comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pièce de transformation qui permet de mettre en place ce moteur en déporté par rapport au cadre. Je pense qu'il va falloir le reculer de manière conséquente. C'est un petit peu comme la pièce d'adaptation Easy Boost pour passer du Minarelli vertical à horizontal. On va faire une pièce de transformation Easy Cliquet. Ça aussi, ça sert plus. De toute façon, tout le système électrique, il n'y en a plus besoin. Je vais commencer par monter le moteur, le caler, pour essayer de le situer un petit peu par rapport à la bête, comment on peut l'intégrer dans le cadre actuel. Un peu horizontal quand même. On prendra pas des gros dodans. Donc décalage entre le moteur et le cadre, entre là et là. Bon, on va faire une pièce, hein. Une grosse pièce d'adaptation. 15 cm. Et on va aller chercher cette attache pour rigidifier la pièce d'adaptation, pour éviter qu'elle pivote. On va faire ça, grosso modo. On va appeler ma copine, la disqueuse. C'est brut de disqueuse, mais ça ira. Voilà.
Bon, la pièce d'adaptation Easy Cliquet est montée sur le Kisby. Le moteur 220 volts est monté sur le scooter. Il reste à présent deux choses à faire. Dans un premier temps, brancher l'amortisseur. La seconde chose, et vous l'avez dit dans les commentaires de la vidéo précédente traitant de ce sujet, c'est de modifier le sens de rotation du moteur. En l'inversant, le moteur du coup fonctionne à l'envers. Donc on va démonter les branchements électriques et changer le sens. Normalement, ça doit être écrit dans la notice du moteur. Faut que je la retrouve. Ah, je savais bien. C'est là. Guten Tag, ich liebe dich. Droite, gauche. Alors, c'est bien débranché ça? Oui. C'est quand même du 220. Z2, U2. J'espère que ça va pas cramer le moteur et j'espère surtout que ça va tourner dans le bon sens. Comme ça. Vous me dites, hein? Essai 2. Toujours pas. Essai 3. Cette fois, c'est la bonne. Ça marche, dans le bon sens. Bon, le moteur maintenant tourne dans le bon sens. C'est une bonne chose, je partirai pas en marche arrière. Dernier changement avant l'essai sur route de ce magnifique swap, redisposer un amortisseur qui permette de mettre au bon niveau le moteur, parce que là l'amortisseur est pas du tout bien calé, on a reculé tellement le moteur que impossible de le connecter avec les fixations d'origine. Je vous propose donc de déporter la fixation haute de l'amortisseur un petit peu plus à l'arrière et de garder par contre la fixation côté carter, parce que là bon, ce serait un petit peu balèze à modifier. Qui a vissé ça comme un con? Ça doit être moi. Il y a de la marge. Et cette marge, eh ben on va la combler à coups de disqueuse. T'en voilà toi.
Allez, deux petits trous dans le cadre, c'est tout. Et maintenant, pour le plaisir des yeux, soudure. Là, je suis fier de moi. À présent, on va récupérer la transmission et la roue et la disposer sur le moteur swappé en 220 volts.
Ah, ça devient une habitude. L'achèvement des vidéos avec le Ikizbi finissent toujours mal. C'est un projet maudit, je pense. Pourtant, j'ai fait tout le boulot. J'ai mis en place le moteur 220 volts sur le carter moteur du 4 temps, réalisé une transmission pour entraîner l'axe moteur, le variateur, le correcteur de couple, l'embrayage jusqu'à la roue. Ça fonctionne très bien d'ailleurs avec le courant électrique de la maison. Mais le problème réside dans la batterie Bluetti. Pas assez puissante, au moins la puissance nécessaire pour faire démarrer le scooter n'est pas suffisante. Il y a sûrement une puissance de crête au démarrage qui convient pas du tout. La batterie ne peut pas fournir plus de 2200 watts. Je croyais pourtant qu'elle pouvait aller jusqu'à 4000 watts en crête, très ponctuellement, mais c'est pas suffisant. Ça démarre pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Pourtant, j'aurais bien voulu terminer la vidéo avec une petite séquence de moi qui crapahute sur ce petit scooter, peut-être à 10 km/h, pas de problème. Mais j'ai même pas réussi. J'ai fait deux petits tests pour quand même essayer de rouler avec ce dispositif, en poussant le scooter dans une descente et en actionnant le variateur de tension pour voir si ça pouvait lancer le moteur avec beaucoup moins de résistance, mais même pas. Trop de couple résistant, j'imagine. J'ai même mis, et vous le voyez encore sur l'image, oui, le cric bleu sous le scooter pour décoller la roue arrière, et même avec ça... D'ailleurs, test maintenant. Ça marche pas. Toujours ce bip bip bip. Du signal d'erreur, ça marche pas, il faudrait une batterie plus puissante. Puis là, on aurait peut-être quelque chose qui fonctionne. On a essayé, on a fait le boulot mécanique, soudure de précision, découpe de pièces sur mesure. Ça, on n'a rien à se reprocher. La petite touche finale, la batterie. Est-ce que j'y peux quelque chose ? C'est dommage parce que le Kizbi avec l'arrière rehaussé et le moteur repoussé en arrière, moi, je trouvais qu'il avait de la gueule. Tant pis ! Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !